Jeudi 21 mars, retrouvez Made in Africa, votre magazine économique à 20h50 sur RTI 1. Au programme, enquête sur le secteur de l'optique en Côte d'Ivoire. Vous allez découvrir les coulisses de ce business avec l'étape de commande des verres, puis celle de l'atelier de montage où les verres sont taillés pour être adaptés aux différentes moutures mises en vente sur le marché. Un marché convoité où se mêlent opticiens agréés, mais aussi, vous allez le voir, cabinets d'optique illégaux. Il n'était pas question pour nous de partir d'ici en laissant ce cabinet ouvert, en leur laissant le matériel pour continuer, en laissant ouvert pour qu'ils continuent de faire les dégâts. Donc d'abord, nous procédons à la fermeture. Puis dans notre second reportage, nous partirons à la rencontre d'un entrepreneur véritable passionné d'optique, Charles Tanoé. Il est à la tête d'un groupe qui compte 8 magasins regroupés dans 3 enseignes. Cela fait plus de 20 ans qu'il est dans le secteur. Nous l'avons suivi dans son quotidien, riche en défis. Il y a une étude qui a montré que 60% des accidents étaient dus à une mauvaise visibilité. Il est important de déceler ceux qui doivent porter des lunettes et de mettre leurs photos avec lunettes sur le permis pour que le jour où ils conduisent sans lunettes, qu'on sache que ces gens sont en infraction aussi. Le marché de l'optique, c'est jeudi 21 mars dans Made in Africa, votre magazine économique sur RTI 1.